Voilà, le boom de la chirurgie esthétique ne va pas sans dérive. Ces dernières années, on a eu plusieurs scandales qui ont un petit peu terni l'image de la profession. On se souvient tous de l'affaire du docteur Mort, ce généraliste qui s'est autoproclamé chirurgien esthétique. Il a fait de nombreuses victimes. Je vous propose de revenir en image sur cette histoire. On regarde. Cette jeune femme est une victime de la chirurgie esthétique. En 2008, comme 96 autres personnes, elle se porte partie civile dans le procès du docteur Mort. Ce généraliste marseillais autoproclamé chirurgien esthétique est au cœur d'une affaire judiciaire et médiatique. Il est accusé d'avoir pratiqué illégalement des opérations dans une clinique non agréée. Ses patients vivaient un véritable calvaire. Quand on vous rentre une canule du milieu du ventre jusqu'à la clavicule, eh ben c'est prier pour se dire qu'on vit nos derniers instants et qu'on va repartir les pieds devant. Et l'anesthésie ? L'anesthésie, c'était, il y avait pas d'anesthésie, quoi. J'ai tout senti, mais seulement il avait le mot à tout, c'est normal. Pourquoi on ne me fait pas une anesthésie générale? Mais parce que c'est dangereux, ça c'est mieux, ça va aller plus vite. Finalement, ça va aller plus vite, c'était une opération qui a duré 4 heures quand même. À l'époque des faits, la discipline est encore peu développée et la législation est floue pour les patients. Michel Mort en a profité. Système de stérilisation hors d'usage, médicaments périmés, opérations et cicatrices grossières. Tout au long de son procès, le docteur nie les faits qui lui sont reprochés. Il se présente comme le meilleur chirurgien esthétique du monde. Pourtant, en 2007, il est radié de l'ordre des médecins et la justice pointe du doigt ses méthodes. Il a une très haute opinion de lui. Il est persuadé que les méthodes qu'il a appliquées étaient de bonnes méthodes, alors que des experts près de la Cour de cassation ont clairement indiqué que c'était des méthodes qui étaient absolument obsolètes, qui n'étaient plus utilisées parce qu'il y avait des risques certains. Au final, après 2 ans d'enquête et de procès, Michel Mort a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. En France, selon les assureurs, la chirurgie esthétique représente 20% des litiges contre seulement 2% pour les autres disciplines médicales. Si la législation a évolué, il reste encore de nombreux abus dans ce domaine.